Alors, je crois que l'heure n'est pas encore à la campagne. C'est juste le dépôt de la candidature. Ce qui nous a motivés, c'est plus que c'est un parcours d'un combattant. On a été président sectionnaire, on a été conseiller, on a été vice-président de CGS, on est président de CGS pour l'instant. Donc, le reste, nous voulons que la section football devienne autonome. Nous voulons qu'on a mis beaucoup d'argent dans un club, mais l'argent n'a pas produit l'homme. Aujourd'hui, nous avons besoin des hommes nouveaux, nous avons des gens qui apportent l'innovation, juste pour qu'on transforme l'homme, les supporters congolais, à prendre en charge son équipe. Voilà ce que nous voulons apporter comme nouveauté au niveau de la section football de l'ASV Club. Je suis ici des supporters de l'ASV Club, c'est tout à fait normal. Jusqu'à preuve du contraire, sachez que tant que je n'aurai pas encore fait la remise et reprise avec le nouveau comité du CGS, je demeure encore président des supporters. Je suis ici, né, grandi à Moscou, donc je continue à être accompagné par les Moscous. Je les aime beaucoup, je crois que nous avons besoin de nous unir davantage, d'être ensemble pour la lutte, pour les changements et le développement de la section football de l'ASV. Le club a beaucoup de potentialités. Pour la petite histoire, les gens doivent savoir que le Lumulumba n'est pas ce que les gens pensent de lui. Je viens d'une institution de formation. Si l'INPP vit aujourd'hui, j'en suis le directeur de recouvrement. Donc c'est lui qui sait chercher des moyens pour l'institution INPP, c'est de Lumulumba. Pourquoi ne pas les chercher pour l'ASV? Donc tous les atouts sont là à notre possession pour que nous puissions redonner l'image réelle du football en général et de l'ASV en particulier.